Chers frères et sœurs, nous savons tous que l'islam s'intéresse à tous les volets de la vie de ses fidèles, en commençant par le credo, par l'adoration, et en terminant par les interactions sociales et par leurs apparences. Et parmi ces aspects auxquels l'islam a donné énormément d'importance, et surtout concernant le domaine des interactions sociales, la manière avec laquelle nous devons parler, et le choix et la sélection qui doivent être les nôtres lorsqu'on veut s'adresser à quelqu'un en face de nous. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens de bonnes paroles. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car, dit-il, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. On peut se poser la question, que fait le diable dans ce genre de verset? Allah Azza wa Jal, Dieu nous enjoint de choisir les meilleures paroles, mais en quoi et pourquoi il a inclus Shaitan dans ce verset? Parce que comme vous le savez, le diable a pour objectif unique de d'égarer les personnes du chemin d'Allah Azza wa Jal, les éloigner de toutes les paroles de Dieu, semer la discorde, semer la zizanie, exploser les relations sociales, déchirer les liens familiaux. Tel est son objectif premier et final. Et en cela, il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition afin de faire des êtres humains des proies faciles. Et justement, la parole qui représente la plus petite unité de l'expression orale est un moyen propice pour lui, pour que celui qui est en face d'un interlocuteur comprenne mal ce que l'autre veut dire, ou que celui qui veut exprimer un sentiment et l'exprime d'une manière erronée, qui est diamétralement opposée à ce qu'il ressent ou à ce qu'il veut dire. Et c'est à partir de là justement que le diable va jouer son rôle et que les autres, les êtres humains qui sont fragiles au niveau de leur psychologie ou ils sont fragiles au niveau de la patience qu'ils doivent avoir dans leurs relations et leurs interactions les uns aux autres tombent dans le piège. Et c'est à travers les paroles qu'on risque de mal interpréter ce que dit notre interlocuteur qu'on peut lui prêter une intention qui n'est pas la sienne, et c'est à partir de là que les liens commencent à se déchirer. Combien de relations conjugales est partie en l'air à cause d'une mauvaise parole, d'une mauvaise interprétation d'une parole ou d'une expression orale ou d'une posture qui a été mal choisie et mal triée. La parole a un effet énorme sur l'être humain, sur celui qui l'écoute. La parole peut construire des ponts relationnels, des ponts de l'amour, de l'affection, de la miséricorde, de la douceur, comme elle peut détruire des édifices énormes qui ont lié des personnes par le sang, ou par les liens du mariage, ou par les liens de l'amitié, ou par les liens de camaraderie, et ainsi de suite. Et voilà pourquoi le Coran n'a cessé, ainsi que la sunna de son, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont cessé justement d'orienter les musulmans pour qu'ils choisissent et qu'ils sélectionnent les meilleures paroles, les meilleures expressions et avoir la meilleure attitude physique lorsqu'on s'adresse à quelqu'un d'autre. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dans le Coran a donné une parabole pour comparer la belle parole à un arbre fruitier qui ne cesse
de donner des fruits, un arbre qui est bien enraciné, tandis qu'une mauvaise parole, elle est à l'image et à l'exemple d'un arbre déraciné, d'abord qui ne vit pas longtemps et qui ne bénéficie pas à ceux qui sont autour de lui. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a donné l'exemple d'une belle parole. N'as-tu pas vu comment Dieu a donné en parabole une belle parole comme un arbre dont les racines sont bien implantées sur terre et qui donne ses fruits sans cesse, sans cesse. Tel est l'exemple d'une bonne parole. La mauvaise parole est une parole qui nuit à celui à qui on s'adresse, même si on essaie de l'enjoliver, même si on essaie de se faire passer pour un conseiller ou pour quelqu'un qui plaisante. Une mauvaise parole reste une mauvaise parole. Et c'est à ce propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant n'insulte pas, par définition, le croyant n'insulte pas, le croyant ne maudit pas, le croyant n'est ni vulgaire ni grossier. Le croyant, le musulman, doit se distinguer par sa parole et ne peut en aucun cas être influencé par le milieu dans lequel il évolue. C'est pas parce que je côtoie des gens qui ont des paroles grossières, qui ont des paroles insolentes, qui ne cessent de calomnier, qui ne cessent de médire, que je dois mimer leur effet, que je dois mimer leur comportement. Le musulman reste ferme dans ses principes. Je ne choisis que les meilleures paroles. Je ne sélectionne que les meilleures expressions. Et je dois me distinguer par rapport à d'autres. Parce que je suis alimenté par une foi. Je suis alimenté par une parole coranique qui me dit « Chaque parole qu'un être humain prononce, il en sera jugé. » Je suis jugé sur chaque parole que je choisis. Allah Azza wa Jal nous a manifesté son miracle dans la création de l'être humain. Et il lui a donné cette capacité de bien s'exprimer. Et ceci, c'est un miracle chez l'être humain qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres créatures. Et le croyant, justement, doit encore être le meilleur dans ce domaine-là. Lorsque je veux dire une parole, lorsque je suis dans une situation où je dois parler, que je sois dans une relation, là, dans un contexte tendu, ou bien dans un contexte apaisé, je dois toujours me poser certaines questions. Ce que je veux dire, est-ce que c'est alimenté par une colère? Est-ce que c'est alimenté par une émotion? Peut-être une joie excessive ou une colère excessive. Est-ce que ce que je veux dire est une manière de montrer mon contentement et ma joie du malheur de l'autre? Peut-être qu'il va mal la comprendre. Je suis en train de montrer ma joie par rapport à son malheur. Comment celui que j'ai en face va percevoir cette parole? Comment il va la prendre? Quelle interprétation il va lui donner? Et donc c'est à partir de là que je fais le tri, que je sélectionne, que je filtre ce que je dois dire pour ne laisser aucune chance à Shaitan d'insuffler à mon interlocuteur une interprétation qui ne correspond pas à ce que je veux dire et qui ne correspond pas au bien que je veux pour l'autre. On a posé une fois une question à l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, qui est plus grand que l'autre, toi ou le prophète? Qui est plus grand que l'autre, toi ou le prophète? Et de leur répondre, il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Mais je suis né avant lui. Il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. Regardez l'expression. Il aurait pu dire, je suis plus grand que lui. Mais cette expression peut susciter une autre interprétation. Je suis grand en valeur, je suis grand en notoriété, je suis grand en faveur. Mais non, il a dit, il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. Et c'est là où on voit comment un musulman se distingue par rapport aux autres dans ses interactions sociales et surtout dans le choix de ses expressions orales. Un calife a voulu tester son fils pour voir s'il est bien éduqué ou pas. Et si les profs qu'il a mis autour de lui afin de l'orienter, de le conseiller, ont joué bien leur rôle ou pas. Et c'est là où il lui a posé la question un jour, il lui a dit, fiston, quel est le pluriel de le miswak? Miswak, vous savez, c'est le cure-dent avec lequel
on nettoie les dents. Quel est le pluriel de l'miswak? Normalement, dans la littérature, l'miswak, son pluriel, c'est le messaouik. Messaouik. Et messaouik, c'est très proche de messaouik, qui veut dire tes défauts. Donc le fils a réfléchi. S'il devait répondre comme on doit répondre, comme n'importe qui aurait répondu, il va dire le pluriel de l'miswak, c'est tes défauts. Messaouik. Et messaouik, ça veut dire entre autres, parce que c'est un mot polysémique, ça veut dire tes défauts et ça veut dire aussi les cure-dents. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, son pluriel, c'est le contraire de tes qualités. Son pluriel, c'est le contraire de tes qualités. Et c'est comme ça que le musulman fait attention à la manière avec laquelle il s'exprime. Parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal rétribue sur le bon choix des paroles et des expressions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim, a dit « Wal kalimatu tayyibatu sadaqa » La bonne parole est une aumône. La bonne parole est une aumône. Autrement dit, Allah Azza wa Jal la rétribue comme il rétribue quelqu'un qui a donné une aumône. L'imam Ahmad ainsi que l'imam Al-Hakim ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le paradis, il y a des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. » Et Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Pour qui sont-ils ya Rasulallah ?» Ces appartements, ils ont été apprêtés pour qui, préparés pour qui? Pour qui sont-ils ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ils sont pour ceux, ou bien ils sont pour celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger et qui passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment. Et regardez comment il a cité trois conditions. Trois conditions. Il a cité le fait d'accomplir les prières nocturnes pendant que les gens sont en train de dormir. Il a parlé de l'aumône, mais avant tout, il a parlé pour ceux qui sélectionnent les bonnes paroles afin de les utiliser dans leur expression. Et c'est ainsi que le musulman doit tirer profit de ses expressions, de ses paroles, parce que c'est ainsi qu'il remplit les réserves de ses hasanat. Chers frères et sœurs, dans notre religion, le choix des paroles et de l'expression orale, ou même de l'expression non verbale, rien que l'attitude, l'apparence, est quelque chose de très important et qui doit respecter plusieurs convenances, afin qu'on ne parle que d'une manière positive et qu'on ne réagisse que d'une manière positive. Parmi ces convenances qu'il faut respecter, on va en citer 5 seulement. Et la liste, bien entendu, n'est pas exhaustive, mais le temps ne permet pas de tout citer. La première chose, c'est de ne dire que du bien ou bien observer le silence. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit, celui qui croit en Allah et qui croit au jour du jugement, qu'il s'exprime bien ou qu'il observe le silence. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Parce que lorsque tu te tais, au moins on ne peut pas t'attribuer une parole mal placée, on ne peut pas t'attribuer une mauvaise intention, tu tais-tu. Donc lorsque je suis dans une situation bien particulière, où je risque de dire quelque chose qui pourrait avoir des conséquences graves et rentrer dans la surenchère avec mon interlocuteur, vaut mieux parfois, voilà, tu fermes la porte et tu quittes ta demeure et tu reviens plus tard. Tu changes l'heure avec une autre heure et tu laisses que les choses se décomptent. La deuxième convenance, c'est que tu dois t'adresser aux gens selon leur intelligence, selon leur niveau intellectuel, selon le paradigme dans lequel ils évoluent. Lorsque tu as un argumentaire bien ficelé, qui correspond à tes convictions, qui correspond à ta logique, peut-être que ceci ne rentre pas dans le vocabulaire de ton interlocuteur. Lui, il est à des années-lumière de ses beaux vocabulaires. Parce qu'il est endoctriné, parce qu'il est influencé, parce qu'il est bête tout simplement, parce qu'il a une autre logique qui ne correspond pas à la tienne. Donc parfois, c'est peine perdue d'essayer de convaincre quelqu'un de têtu, d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas les éléments et les paramètres qui permettent de mieux comprendre ton argumentaire. Donc dans ce cas, le meilleur, c'est d'adapter ton discours selon celui que tu as en face, selon son profil psychologique,
selon son profil intellectuel. Et selon, bien entendu, aussi son intention. Parce que son intention, elle peut être une intention de quelqu'un qui veut te provoquer, qui veut te pousser à l'erreur. Et donc, à partir de là, tu ne tombes pas dans son piège. Et tu ne surenchéris pas. Il se peut que tu sois devant ton conjoint, par exemple, qui va dire une phrase qui va te blesser. Et c'est là où il faut se retenir. Tu dis, voilà, mon conjoint, il parle avec la colère, c'est l'émotion qui est en train d'alimenter son discours. Donc, je ne vais pas rentrer dans le même piège. Donc là, je vais parler selon son état psychologique du moment. Son état psychologique du moment. Cet état psychologique est dominé par la colère, est dominé par l'émotion. Donc, à partir de là, j'adapte mon discours et j'adopte des paroles et des expressions qui essayent de contourner le problème et de décompter la situation. Ibn Mas'ud dit dans un hadith rapporté par Muslim, à chaque fois que tu tiens un discours qui n'est pas perceptible par les gens, ceci peut devenir une calamité pour certains parmi eux. Donc la première chose c'est dit, est-ce que celui que j'ai en face est quelqu'un qui est capable de percevoir et de comprendre et de bien interpréter mon argumentaire, mes propos ou l'expression par laquelle je vais communiquer avec lui. La troisième convenance qu'il faut respecter dans nos dialogues et dans nos interactions sociales, c'est de ne pas se vanter devant l'autre. Parce que lorsque tu te vantes dans ton expression devant l'autre, c'est que tu es en train de le mépriser. Et lorsque celui que tu as en face ressent ceci, que tu es méprisant dans ton discours, forcément, il se braque. Et la réaction basique, la réaction bestiale, c'est de répondre au berger à la bergère. Je ne sais pas comment on dit l'expression. La réponse du berger à la bergère. Et à partir de là, tu peux te trouver dans une situation que tu aurais pu éviter. Et les gens justement qui sont nobles et les gens qui ont une certaine fierté ne donnent pas aux autres le bâton pour les frapper inutilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos qu'il suffise à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré pour un musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Et lorsque tu choisis des paroles, ne choisis pas des paroles pour lesquelles tu dois t'excuser au plus tard. Et dire, oui, mais je voulais pas dire ça. Ou je n'entendais pas ça. Ou mon intention n'était pas ceci, n'était pas cela. Vaut mieux dès le départ mettre un filtre devant tes paroles et choisir ce sur quoi tu n'auras aucun regret a posteriori. La quatrième convenance, c'est d'éviter les polémiques stériles. Combien de fois on s'engage dans des discours et dans des polémiques qui ne mènent à rien. Et tu sais pertinemment que la polémique ne sert absolument à rien. Donc pourquoi perdre ton temps, ton énergie et donner à la colère une emprise sur toi-même et donner les rênes de ton intelligence au shaitan pour qu'il te guide comme il l'entend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, je suis garant d'une maison à la périphérie du paradis à quiconque délaisse la polémique, même s'il a raison. Et combien de fois, parfois, on s'engage dans des discussions sur des analyses qui sont communes à tout le monde et évidentes pour tout le monde. Et on commence à analyser comme si l'autre que j'ai en face, je l'infantilise et je lui donne l'impression qu'il ne comprend pas. Alors que lui-même, il a tout à fait compris. Donc pas besoin justement d'engager une analyse ou une discussion qui est partagée par tout le monde. Ce qu'il faut se dire, c'est comment je dois réagir, comment je dois changer une situation de la meilleure des façons, et quel est mon devoir dans cette situation vis-à-vis de mon Seigneur. Cinquième et dernière convenance qu'on peut citer dans ce prêche-là, c'est le fait de s'adresser à l'autre avec les surnoms qui lui plaisent le plus. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, je ne m'adresse pas à lui avec son prénom comme ça, prénom sec. Mohamed Labas, Abdelkader Labas, Hamid Labas. C'est indigne chez les musulmans. Il y a toujours un titre peut-être, ou bien un surnom qui lui plaît. Et c'est ce que je dois utiliser.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, et les Arabes, c'était une habitude des Arabes de dire, Abba Fulan, oh le père d'un tel, parce que les gens aimaient à ce qu'on les appelle ainsi. Et ceci va dépendre des us et coutumes de chaque peuple. Nous sommes, par nous, majoritairement maghrébins, des gens qu'on a l'habitude, par exemple, quelqu'un qui est plus âgé de toi, de l'appeler le Hajj, de l'appeler oncle, ami, de l'appeler si, un tel, monsieur un tel, de l'appeler professeur un tel, de l'appeler cheikh un tel, de l'appeler le docteur un tel, selon les titres qui lui convient ou qui convient à son degré intellectuel. Mais toujours tu choisis ce titre-là par respect pour que l'autre ouvre son cœur à toi, ouvre son oui à toi, et que tu n'aies pas avec lui un dialogue de sourd et que tu ne lui montres pas une animosité qui n'est pas la tienne ou là que tu ne veux pas. Et voilà comment l'islam nous demande justement de mettre devant soi tout, ou bien de saisir et d'appréhender tous les moyens nécessaires pour qu'un dialogue soit flexible avec l'autre, pour qu'un dialogue soit doux avec l'autre, pour qu'il y ait une compréhension de part et d'autre et qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de part et d'autre. Tel est donc le corpus des convenances que doivent respecter les musulmans les uns les autres, et surtout lorsque dans un cadre familial, avec le conjoint, avec les enfants, avec tes proches, avec tes camarades, avec tes amis, pour ne pas justement déchirer ces liens-là et fragiliser la structure des musulmans.